Alors lui s'appelle Unido, c'est un jeune étalon qui a 6 ans, c'est un lusitanien, c'est un cheval portugais. C'est un peu comme l'andalou, hein. J'ai triché parce que c'est un peu comme l'andalou. Alors le cheval pour se déplacer, il marche pas comme un dromadaire. Cette patte là va pas avec cette antérieure là. Ça, ça va avec ça. Toujours en diagonale. Lui c'est notre plus vieux cheval. Il a une dizaine d'années. Il s'appelle le Tchéol. Alors faut pas se fier à son apparence, il fait un peu lourdeau comme ça, mais il a beaucoup de sang. Et c'est un croisement d'un espagnol avec un cheval de trait. Alors Tchéol, dans le spectacle, il sait faire plein de choses. Alors avec lui, vous allez bosser beaucoup la voltige et tout ce qui est couché, assis, monté sur des tabourets. Il a une douzaine d'années, c'est un lanquier aussi, c'est le cheval de Lorelai. Alors lui il fait plutôt tout ce qui est dressage haute école, il sait se coucher, marcher au bois espagnol, un peu tout ce qui fait le cheval blanc, la même chose, sauf qu'il est un peu plus compliqué, donc dans le spectacle on va essayer de faire un numéro avec une debout avec lui, donc on va voir qui c'est qui arrivera, qui montera le mieux et qui pourra le monter. Il s'appelle Achille, c'est un petit étalon aussi. Il est tout petit, mais vous allez voir, il a un caractère très très dur. Ça, c'est un cheval qui est merveilleux pour apprendre à tout ce qui est manipulation. Parce qu'en en fait, on ne peut pas le manipuler comme un grand cheval. Dans le spectacle, on essaiera qu'il y ait 3 chevaux pour la voltige. Donc on pourra faire passer pas mal de monde dans le spectacle en voltige, quoi. Mais là, il faudra speeder, il faudra pas rester accroché sur la selle. Ok ? Manière de voir les choses sur l'équitation en club.
Parce que tout d'abord, bon déjà, pour faire de la voltige, il faut être à une certaine hauteur. Puis c'est difficile aussi parce que, bon, avec tous les acrobaties qu'on doit faire sur le cheval, la sensation qu'on a sur le cheval, et que quand c'est le plus difficile, c'est quand le cheval est en mouvement. À force de patience, on peut réussir à créer une complicité avec un cheval. J'aime les chevaux depuis l'âge de 2 ans parce que c'est affectueux, c'est gentil, c'est bien quand on monte, voilà.